Welcome. Et il y a cette nouvelle boîte, Setup Box, concurrent à l'Apple TV, qui tourne Android sur un Cortex A9. Et la chose qui est dingue avec celle-là, c'est que c'est 40 euros seulement. 40 euros pour un... en fait, c'est Android sur la télé. Donc, comme vous pouvez voir, il y a Android. Et c'est Android 2.2. Et en principe, il pourrait y avoir Google TV, en principe, s'il y a des upgrades, tout ça, si Google ils viennent et disent que c'est prêt, il pourrait y avoir Google TV sur une boîte qui coûte 40 euros, c'est 60 dollars USD. Mais attention, une chose, il faut en commander 300 minimum, donc le prix dans les magasins, ça va être le double ou quelque chose comme ça. On va faire un petit tour. Alors, on va aller sur... Qu'est-ce que je vais faire, la vidéo player, on va voir s'il y a des fichiers. Il n'y a pas de fichiers là-dessus. Oh, il n'y a pas de fichiers vidéo sur la machine. Alors je vais aller sur les programmes. Là, ça je suis sûr que ça a marché. Je peux rajouter un réveil. Je vais lui dire de me réveiller dans une heure. Donc c'est ça qui est génial, tu peux utiliser la télé comme réveil matin et ça coûte que 40 euros. Et toutes les possibilités d'Android, donc c'est du 800 MHz, it's 800 MHz, is it? 800 MHz, ARM Cortex A9 avec 512 MB de RAM. La compagnie Westin font aussi ces deux autres designs, il y a celui-là. Celui-là c'est un peu plus cher. How much is more? More expensive? How much? It's more. 65, only 65. So, 65, ça fait 3 euros de plus, mais c'est un autre processeur, SV8865, c'est un ARM 9. Donc celui-là, il est beaucoup plus rapide, là. Il y a aussi Cortex A8, c'est peut-être à peu près similaire, parce que c'est un 1 giga, et ça, c'est du Samsung Cortex A8, mais c'est plus cher. C'est plutôt 70 euros. Il faut en commander 300 minimum, hein. Et puis il y a cette commande comme ça. Il y a une commande comme ça. How much is the remote? C'est 23. 23. So, alors la télécommande toute seule, c'est 15 euros de plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? On va aller... J'ai mis Paint sur le desktop. Et... Ok. Bon, c'était ça. Merci.